Ah oui. Ah oui. Ah oui, je dis oui. Salut les mecs. Des zombies. Des zombies dans des mines. Ça vous rappelle rien? Oh. Des chauves-souris, ça c'est un peu plus... classique. Ok. Nice. Ça n'est pas refait dans mon pré-tutoriel, là, dans mes pré-vidéos. Donc c'est assez cool. Ça, ça fait mal, ça, hein, mon dieu de jeu. Qu'est-ce que ça fait mal? Ça me coûte toute ma stamina, hein. Je peux pas éviter les attaques après, mais... Qu'est-ce que ça fait mal? Donc c'est un des donjons, finalement, ça, je pense. Peut-être au même titre que les tours qu'on a pu faire. Hein. Mais, waouh. Dommage. Il m'a manqué 3 cm, c'est l'histoire de ma vie. Ça a l'air assez grand, cela dit. Hein. Ah, des Septicai. Ok. Cela dit, ce donjon a l'air bien plus grand que les tours qu'on a pu faire, donc je me dis que... Il y a peut-être un petit peu plus de... comment dire... variété dans le bestiaire, donc... Celui-ci est peut-être un peu plus vrai. Même si, en termes de difficulté, il n'est pas... au niveau. Après, je vous rappelle qu'on est dans la zone 1, hein, région 1. Oula. Ça, ça ressemble à un boss qui ne s'active qu'ensuite. Non, même pas. Par contre, il a 7000 PV, le machin. Le respect est mort. Tout comme lui. Ok. Cool. Ouh, ça continue par là-bas. Ah, puis regardez, la map se fait aussi... Ah, c'est génial. La map se dessine et reste affichée comme un brouillard de guerre. C'est de l'eau? Alors, j'ai pas eu le temps de le montrer dans les précédentes vidéos, mais une fois que vous avez ça, vous avez votre eau. Vous pouvez, sans trop de soucis normalement, si j'y arrive... Voilà, Water Flask. Craftez vos Water Flask, tout simplement. Ça prend un petit peu de temps, hein, mais... D'accord. Hop, et une fois que c'est fait, vous pouvez crafter tranquillement vos potions de santé. Hop, et... Donc c'est assez cool, je trouve, ce genre de... Je vérifie, hein. Mais ce donjon est vraiment épique comparé aux autres, hein. Un coffre. Ouais. Alors je sais pas quel niveau auront ces... récompenses, finalement. Non, ça a l'air de continuer par là-bas, donc je vais aller voir un peu par là. J'ai décidé de continuer de se... Oh, ça a l'air d'être aussi long par là. Non, coffre. Autant pour moi. Super Gold Ring. Alors, est-ce qu'il y a un système d'évolution? Je veux dire, dans le sens où plus vous progressez, plus le loot... Parce que vous voyez, on était un petit peu avant, on a du loot bleu, après on a eu du... Avant, après on a eu du loot violet, donc techniquement. Vous voyez, dans cette direction-là, on a eu du loot violet. Est-ce que plus on progresse dans le donjon, moins on a de difficultés... Enfin, mais plus on est à même de l'accomplir, plus on reste du loot? Ce serait intéressant, ou est-ce que c'est simplement de l'aléatoire? Un nain. Tiens donc. Toucher le nain.
Ok, ça, ça sent la mort, par contre. Et c'est en carré noir, donc je vais pas aller le tâter. Ça aussi, ça sent la mort. C'est marrant. Touché. Bande de naze. Ouh, il y a du violet par là-bas. Ouh. Mais ces donjons sont géniaux. Oh, une... Elle a un nom. C'est énorme. Elle avait un nom. Peux te casser, s'il te plaît. Génial. Génial, génial. Ah, ils sont géniaux, ces petits donjons. Enfin, ces petits, non, pas des masses, hein. Petit, c'est relatif, hein, franchement. Excellent. Zombie. Ils ont level up, les zombies, par contre, hein, dans la région, là. Voyez. Ok, c'est cool, hein. Jusque... Oh, ça creuse encore. Nice. Une nuée de chauves-souris. Oh, et pas que. Qu'est-ce que c'est que ça, un hippopotame? Non, un chien des enfers. Salut, je sais pas ce que t'es, mais tu me fais très très mal. Sa masse est géniale. Comparé à la mienne, je veux dire, je perds 300 PV, par contre, je fais beaucoup plus de dégâts. Chocolat de cookie. Nice. Alors, je vais peut-être équiper sa masse. Perds du PV, par contre, je fais beaucoup plus de dégâts. Ok. On va essayer d'être un peu plus tactique pour le coup, là. Donc c'est bien ça, plus on progresse dans le donjon, plus il y a des barrières, plus la difficulté augmente. Est-ce que ce sont des barrières ou est-ce que... Mix cette salade. Mixed salade, pardon. Cache. D'accord. Ça s'est ouvert. C'est ouvert. Oh, c'est génial. Et là, c'est le gros. Oh putain. C'est quoi cette zone? Il m'a descendu mes PV d'un coup à un moment. Je peux pas faire celui qui a les boules, mais... Faut être honnête au bout d'un moment. Il m'a fait très très mal. Et puis ça continue. Oh, il y en a pour combien de temps dans ce donjon? Encore une zone fermée. Ah, c'est énorme, hein. Cette zone est géniale. Je sais pas si c'est juste de la chance d'être tombé sur un donjon aussi long, mais... Waouh. Waouh. Je suis un peu en train de me farmer, mais... Oh, une superbe hache. Ah, même plutôt que d'avoir un os, avoir une belle hache, moi. Ça m'a ouvert le portail? Non, même pas. Il reste des ennemis dans la zone? Oui, il en reste un. Là, ça me l'a ouvert. Mais d'abord, j'allais faire cette... Oh! Un loup-garou à 7000 PV.
Waouh. Oh, un anneau légendaire au passage. Excellent. C'est ultra épique. J'adore. Alors du coup... Faut que je rééchange le Silver Ring of Urkun. Parfait. Faites mage, shift, pour pouvoir changer l'objet dont vous voyez les stats et dont vous voulez changer l'équipement. Clic droit pour changer l'équipement en mage et clic gauche pour changer l'équipement normal. Hop les, nice. Oh, cette zone. Oh. Un ennemi jaune, donc plus on avance, plus les ennemis sont complexes. À affronter 21 KPV, j'ai pas fait attention. J'ai été mid life. Ton clone, tu le gardes. Waouh. Un peu déçu que ce soit du mage, mais... Waouh. Cette région... Enfin, ce donjon est génial. J'ai pas d'autres mots. Plus tu progresses, plus il y a une difficulté, plus les récompenses sont aussi, pour le coup, intéressantes. C'est excellent. Pardon, mais... c'est que ça encore. Narion, 21K. Ce qui m'a mis, j'aurais dû y penser, c'est entièrement ma faute. Ah. Ok, nous approchons du monstrueux monstre. J'ai récupéré malheureusement tous ses PV. On l'engage. J'ai réussi à cancel sa tourbilol. C'est plutôt un joli move. Et elles sont là. Oh, trop fort. On est trop fort. Des nouveaux gants. Non, des bottes. Des bottes légendaires. Un petit peu moins de critique, mais tout le reste, je vais être bien amélioré. Nice. J'avais quoi en bottes? Ah oui, des bottes violettes. Et je m'en plains. Comment c'est possible? Il ne me reste plus que les shoulders, donc les épaulettes, et un anneau pour avoir tout en légendaire finalement. En 5 étoiles. J'appelle ça du légendaire parce que pour moi le jaune c'est du légendaire, mais. Alors est-ce que ça du coup c'était le plus gros boss de la mine ou pas? Auquel cas, on prend une petite soupe de ginseng. Et on y retourne. Oh, énorme! Quelque chose me... Peut-être. C'est de l'orange. Pourquoi c'est de... Il y a le niveau au-dessus? Attendez, je le vois pas. Scepter Faliria. Niveau 2? Oui, oui. Je viens de level up. Waouh. Ah oui, c'est ici. Et d'accord, et ça, en delà de ça, ça... Oh la vache. Je viens de level up, les amis. Énorme. Je l'ai pas... Bon, ça c'est peut-être pas... Il faudrait une animation, un truc qui... Comme dans... Même dans WoW, il y a ça, quoi. Waouh.
Donc c'était bien le last boss. Nous sommes au bout du donjon. Et ben ça valait le coup d'aller au bout, ça me permet d'apprendre comment on level up dans le jeu. Est-ce que c'était rentable de level up de cette manière? Est-ce que ce genre de choses est suffisant? Bah écoutez, ça impliquerait en fait donc que tout ça est augmentable via les armes et l'armure, et ceci est augmentable via les niveaux, dont le Light Radius, ce qui est intéressant à savoir, je trouve. Ce qui est extrêmement intéressant à savoir. Je crois qu'il y avait un outil qui permettait d'augmenter la distance de luminosité, cela dit. Je crois que je me renseigne à ce sujet. Mais c'était cool. Eh bien écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. Vous pouvez voir donc ici, du coup, dans les mines, j'ai récupéré le sceptre. Waouh. Nice. Nice, nice, nice. Est-ce que ça veut donc dire que je peux officiellement passer à une autre région? Ah, telle est la question. Il faudra aussi que je pense à aller faire, voilà, ici, ceci. Je pense que c'est là qu'on va se taper pour le moment. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour la suite de nos aventures dans Cube World. Je sais pas comment je vais monter ce donjon, vu que j'ai envie de le laisser intact. Ça fera un épisode qui sera très très long, donc. Mais bon. Alors peut-être que je le couperai en deux, tout simplement. Bonjour, pardon, j'étais pris pour une... Merci. J'ai pris pour un ennemi. Excuse-moi. Salut les gens. Et yo. Du coup, j'ai fait la fin de l'épisode. Je reviens quelques jours après le tournage. Tout simplement pour vous parler du fait que... quand nous allons changer de région, nous allons perdre notre équipement. C'est-à-dire que notre équipement va s'user. Se réduire à un équipement de base, en fait, tout simplement. Et donc... il faudra recommencer à farmer dans cette nouvelle région l'équipement et ainsi de suite à chaque fois qu'on avancera de région en région. Il va y avoir plusieurs choix à faire. Premièrement, quelle région nous allons visiter? Mon avis, c'est d'aller dans cette région-là. Pourquoi? Déjà parce que j'ai déjà le nom, parce que j'ai déjà normalement trouvé la ville, je crois aussi. Non, c'est pas dans cette région-là. Dis donc, c'est impressionnant, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ouh, un gros château, on dirait le château d'Hyrule un petit peu. Pour aller là aussi, cela dit. Moi, je pensais partir dans les Wetlands pour la simple et bonne raison qu'après, il y avait cette zone-là, et après, on pouvait rejoindre cette zone-là, les autres zones dans le coin-là, qui ont tous l'air assez différentes, et continuer dans cette direction jusqu'à ce que... il y a de la glace, même par là. Là, il y a encore un truc chelou. Je trouvais que c'était intéressant comme zone, comme biome. Donc, je pensais partir vers Damatar. Après, si vous avez une autre région, disons que ça, c'est 1... ça c'est 2, ça c'est 3. L'eau, on va pas la prendre parce que pour l'instant c'est pas... ça me semble pas intéressant. Donc Damatar 1, en dessous comme ça 2, et ici 3. Je mettrai peut-être une petite fiche en haut à droite à ce moment précis. Non mais pas beaucoup, faudrait vraiment que j'apprenne à en mettre un peu plus. L'objectif serait donc de continuer à développer, à découvrir de nouveaux biomes. Il y en a aussi par là d'ailleurs. Vous voyez? Bon bah 1, 2 et 3, vous votez comme ça et moi je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut les gens! Yo!